par ici. Hein? Wow. Shakes, t'es qu'un loser. Je suis démaqué. Je suis démaqué. Bien joué, Han Solo. Tu sais bien que dans un vrai match, je suis 100% esprit d'équipe, El Matador. Bon, mais là, franchement... Shakes, t'es qu'un loser. Shakes, t'es qu'un loser. Waouh, ce Scarra est vraiment plus vrai que nature. Ouais, il est clair qu'il déteste vraiment Shakes. Beau travail, prof mec. C'était très impressionnant. Merci, Delcy Grasta. Fin de la simulation dans 3, 2, 1... Wouh! Trop cool! La lutte totale! Blablabla! Je crois qu'on peut raisonnablement dire qu'on est prêt, quelles que puissent être les conditions météo. On leur a aussi bien fait de vraiment jouer sous la pluie! Ce casque a fichu en l'air, mon brushing! Prof, même en s'en tenant à vos standards, c'était juste... Waouh! Snake, le sommet de l'iceberg virtuel, Shakes! Mon simulateur peut reproduire n'importe quel joueur de l'histoire de la Super League! Alors... Qui sont les meilleurs que vous ayez en réserve? Laissez-moi simplement ajuster les paramètres. Augmenter la limite de performance et... Elle a rieté! Le maître des maîtres! C'est pas une grosse surprise? Imagine un peu comment était sa tête à l'époque où la sienne avait encore des cheveux. Edwin, le roi du pas de samba! Je n'ai plus jamais vu personne dribbler la balle comme Edwin le faisait. Spike Dawson, la terreur des gardiens de but! C'est quand même pas pour rien qu'on l'appelait Dawson le Terrible, non? Et le dernier, mais pas des moindres, j'ai nommé notre génie tactique... Coach! Ah, mais c'était pas un génie du look! Regardez cette tignasse! Les afros étaient super tendance à l'époque. Comment ça était à l'époque? N'y pense même pas une seconde, Shakes. J'ai minutieusement planifié notre préparation et rien ne viendra perturber le planning que j'ai établi. Je vous donne à tous rendez-vous demain pour un entraînement bien concret cette fois. J'ai carrément kiffé ce truc. Vous avez assuré, les gars. Oh, oui. Votre attention, messieurs. Jouez de la même façon dans 2 jours, et les Invincible United n'auront pas la moindre chance. Mais il y a une dernière chose qu'il vous faudra faire en préparation de la demi-finale. Vous détendre. Demain, vous aurez quartier libre. Mais aucun excès. Je vous veux tous au top de votre forme. À plus, les potos. Auf Wiedersehen. Tu fais quoi, là, Dingan? C'est un petit encas. Et qui dit encas, dit cochonnerie, Scarab. Pas 2 jours avant une demi-finale, espèce de crétin. Hein? Ouais. Alors, quelle nouvelle des Super Strikers? Mais j'en sais rien, Vince. Ils s'entraînent. Font les crâneurs. Je dois chercher quoi, au juste? La moindre petite chose capable de nous donner un avantage pour la demi-finale. Le match n'est peut-être que dans 2 jours, mais la compétition a d'ores et déjà commencé. C'est quoi qui pue comme ça? Arôme 4 fromage artificiel. Ah, arôme. Le véritable secret pour les cheveux luisants, c'est le shampoing pour chevaux. Ah, vieux, mes cheveux ont toujours la même apparence, et ça, quoi que je fasse. Vous sentez cette odeur? Oh, El Matador, tu sais que t'es censé changer de chaussettes après l'entraînement, non? Comment oses-tu? Je ne porte jamais mes chaussettes qu'une seule fois. Ensuite, je les mets en vente sur Internet. Hey, Shakes, tu veux essayer le nouveau jeu sur Paddle Power dans ma turne? Il y a un graphisme qui tue sa mère. Cool! Mais pas aujourd'hui, non. Ah,
Désolé, Scarra. Ah, on a un problème bien plus gros que tes cochonneries immondes au fromage. Shakes, il manigance quelque chose. Comment est-ce que tu sais ça, Scarra? Il faut un truc vraiment très très important pour qu'un nerd refuse de jouer à un nouveau jeu vidéo, crois-moi. Hé, hey, les cheese! Je reviens pas d'être à deux doigts de pouvoir jouer contre vous. Rien qu'un petit match, coach a précisé de pas faire d'excès. Oh 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 ok, les légendes. Voyons un peu si vous méritez vos surnoms. Salut. Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin. Bon, j'espère que votre football est meilleur que votre conversation. Je suis coincé. T'es censé être là pour nuire aux Super Strikers et non pas à ta dignité. Un entraînement en réalité virtuelle. Oh, wow. Shakes contre une équipe entière de légendes. Heureusement que j'ai apporté de quoi grignoter. Donne-moi ça. Est-ce que tu as seulement la moindre idée à quel point ce truc est mauvais pour toi? Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin. Y a pas. Prof, ne plaisantez pas en vantant toutes vos qualités. Mais il faut que je retourne à la réalité. On mange sainement, Block. L'insolation n'est pas une vue de l'esprit, El Matador. Coach, je sais que vous voulez qu'il ne nous arrive rien avant le match, mais est-ce que ce n'est pas un tantinet excessif, tout ça? On ne se montre jamais trop prudent, Twisting Tiger. Allô? Coach! Vous devez absolument venir à mon labo! Et tout de suite! Hé, hey, me regarde pas. J'ai même pas mis de chaussettes aujourd'hui. C'est le comble de l'ignominie. Quelqu'un s'en est pris à ma machine. Et à Shakes. Off, sortez-le de là. Impossible, le soda a endommagé la console. On peut pas juste, vous savez, le débrancher. Non, si on se contente de le sortir brutalement de la simulation, son cerveau pourrait... disons juste que ce n'est pas une option. Le seul moyen pour que Shakes puisse arrêter la simulation, c'est de gagner.
Forcément un moyen de sortir de là. Hein? Par pitié! À l'aide! Il n'y a aucune chance pour que Shakes puisse battre ces légendes à lui seul. C'est un risque que nous devons prendre. Oh, je suis vraiment un imbécile. Je suis d'accord. Ah. Ouais, mec. Carrément, le bleu. Tu as encore voulu crâner en faisant tout tout seul, hein, Shakes? Je rêve, vous êtes venus pour moi, les amis. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes coincé ici, vous aussi? Personne ne restera coincé nulle part, crois-moi. Hé, hey, dis-le à d'autres. Il nous suffit de battre les légendes et on rentrera chez nous. Et quand bien même, on est une équipe. C'est ensemble qu'on gagne. Et c'est ensemble qu'on perd. Ouais, et c'est ensemble qu'on passera l'éternité dans la réalité virtuelle. Habituellement, je peux supporter de rester sur le banc à regarder. Mais là, non. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. Ah oui, vous pourriez peut-être me passer le tournevis pour commencer. Hein? Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin. Les légendes face aux légendes en devenir. Je suis une légende, mais ces gars-là, c'est des légendes. Pourquoi ces simulateurs me détestent à ce point-là? Ils sont là-dedans depuis des siècles. Shakes doit être méchamment coincé. Scara, as-tu la moindre information au sujet des Super Strikers? J'ai même eu bien plus que ça, Vince. La demi-finale risque d'être beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. Je dois couper. Phew. Ton comportement pue déjà à l'état normal, Scara. Mais cette fois, on peut dire que tu t'es vraiment surpassé. Ah ouais? Ben, vous nous sentirez mieux sur le podium des vainqueurs. Maintenant, sortez de ma voiture! Mais... Hé! Hey! Rendez-moi ces clés! Ok, je m'en tamponne. Scara, hein? Je crois que tu mangeais un peu trop de cheesy. Hein? Personne ne sabote impunément la préparation de mon équipe. Non, non, faites-moi sortir! Ouvrez la porte! Je meurs. Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage.
Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin. Est-ce que c'est moi ou bien ça va devenir très très vite extrêmement insupportable? Je crois que tu n'imagines pas à quel point. Je crois que vous venez de me donner une idée. Ce ne sont que des simulations de joueurs. Ils sont peut-être bons, mais ils sont incapables d'apprendre quoi que ce soit. Mais nous, oui! Désolé, coach. Vous m'avez appris à ne jamais tomber deux fois dans le même piège. Ce coup-là, c'est vous qui me l'avez appris. Et en voici un de mon cru. Gardez au sol! Vas-y! Allez! Coach! Je crois que je vais définitivement me détester. C'est pas mal, les mecs, c'est pas mal. Encore quelques petits matchs et on en viendra à bout. À vrai dire, la simulation est en train de devenir, comment dire, extrêmement instable! Si vous ne remportez pas le prochain match, vous serez purement et simplement effacé à jamais, sans aucun moyen de vous restaurer de la corbeille. Mort, envolé, aux oubliettes. Là, je crois qu'ils ont saisi. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pris Isolema, les légendes sont bien meilleures que nous. Ça motive, capitaine, c'est... Mais réfléchissez. Quel maillot est-ce qu'ils portent? Aucun n'a le même. Parce que eux, ils ne forment pas une équipe. Mais si on joue en équipe, on peut les battre. Peu importe qu'ils soient les meilleurs individuellement. 1, 2, 3... C'est tellement émouvant! Contre-offensive éclair, on doit conclure ce match immédiatement. Ou la partie s'arrête pour nous. Une pause. El Matador, vers moi. Je t'envoie ça, Shakes. Tire. Allez, frappe cette balle, t'attends quoi? Bienvenue pour cette demi-finale de la Super League en direct du Strike Island. Les Invincible United sont sur le terrain. Mais assez étrangement, l'équipe qui les accueille n'est toujours pas arrivée. Ça ne ressemble vraiment pas à coach. Il est plutôt du genre à être toujours en avance. Ça se présente encore mieux que ce que j'aurais pu espérer. Enfin, pour l'essentiel, on va dire. Scara? Et voilà qu'enfin les hommes en rouge font leur entrée. Et ils semblent particulièrement sereins.
C'est l'heure de vérité. Les ennemis de toujours et les géants de la Super League face à face. Qui, d'après vous, remportera ce match, Matt? Aucune idée, Brenda. Mais quelle que soit l'issue de ce match, je peux vous dire que ce sera un duel de légende. J'ai vraiment hâte d'arriver au Floating Stadium. Le soleil. Le surf. Le buffet de fruits de mer à volonté. Oh. Ce stade flottant n'est pas si cool que ça. Ça n'a évidemment pas le moindre rapport avec le fait que Liquido joue ici. N'est-ce pas? Non. N'empêche que ce type n'est rien qu'un sale crimeur. Sérieux, arrête, vieux, là. Écoute, vous êtes en compétition permanente, tous les deux. Ton capitaine a raison, Norshaw. Ne laisse pas ta rivalité prendre le pas sur ta responsabilité au sein de l'équipe. Il est où, le Floating Stadium? Le voilà qui arrive, justement. Ok, d'accord. Ça, c'est carrément cool. Hey, North! Liquido! Alors, comment vas-tu, mon frère? T'es encore plus lent que quand t'es sur le terrain. Et tes blagues, elles sont encore pires que ta façon de surfer. Très bien, votre attention, s'il vous plaît. Prêt pour aller visiter les installations? Le Floating Stadium a connu un grand nombre d'améliorations majeures depuis notre dernière visite. Notre objectif est de parvenir à rester en immersion pendant un mois complet. Notre oxygène est directement extrait de l'eau de mer. Les nutriments issus des algues nous fournissent la nourriture. Puis la piscine est notre accès direct à l'océan lorsque le stade est immergé. Wow! Et ça, c'est quoi? Des modules aquatiques à propulsion. C'est pour les travaux de maintenance sous-marins. Nous, les pros, on appelle ça un MAP. Mais je crois bien que pour toi, ce sera le nom complet. Puis ici, vous découvrez notre dernière trouvaille. Ce ballon convertit l'énergie cinétique en électricité. Peut-être qu'un jour, nous serons en mesure d'alimenter le stade tout entier grâce au football qui se jouera dans son enceinte. Puis pour finir, la salle des commandes. C'est ici qu'on supervise l'ensemble des opérations liées au stade. Ce qui comprend l'immersion puis la flottaison. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour faire de toi un meilleur joueur. Ah ouais? Oh ouais! Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Norshaw! Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ta rivalité avec... Monsieur Delacroix, orage catégorie 5 en approche. Ah, quelle meilleure manière d'achever notre visite. Vous êtes sur le point d'expérimenter l'une des plus grandes merveilles du monde. Ursula? Les Hydras sont l'équipe la plus rapide de la Super League. Grâce à leur rythme soutenu, ils parviennent à enfoncer la défense adverse. Laissez la moindre ouverture et ils s'engouffreront dedans. Les défenseurs, vous resterez en formation constamment. Vous ne vous mettrez à tacler qu'en cas d'absolue nécessité, compris? Vous en faites pas, coach. Je vais m'occuper de ce blaireau de Liquido. Je ne m'intéresse pas à ta petite guéguerre contre Liquido. Ce qui m'importe, c'est que vous jouiez en unité défensive. Shakes, Tiger... Offrez aux défenseurs tout le soutien que vous pourrez. Wow. Wow. Ah!
Très beau travail, les défenseurs. Parfait. On déchire, mon pote. On déchire. Leur défense m'a l'air vraiment très solide. Mais je sais comment pallier à ce problème. Une bonne ration d'extrait protéiné d'algues. Bon appétit, c'est chouette la bouffe du futur. Où est passé le délicieux buffet de fruits de mer? On l'a supprimé. La poiscaille ne supporte pas bien l'atmosphère confinée de cet endroit. Tu peux oublier les fruits de mer, Big Bo. Ha, j'ai quelque chose qui est de loin bien meilleur. Des Ocean Bounties. Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur ces délicieuses céréales. Prenez garde à lui dans l'obscurité des profondeurs. Leur ingrédient secret est un véritable délice. Leur ingrédient secret, c'est du sucre. North Shore. Liquido. Quel dommage qu'on soit coincé à l'intérieur, mon frère. Autrement, j'aurais pu te donner quelques leçons de surf. Nargue-moi autant que tu veux, Liquido. Ça ne marchera pas. Si tu veux pêcher, t'as tout ce qu'il faut juste là-dehors. En parlant de dehors, justement, je me suis mis à un tout nouveau sport extrême, figure-toi. La course de map. Wouh! C'est vraiment intense, les sensations qu'on a. Mais ça doit être un peu trop extrême pour toi, non? Ha! Je savais que tu ne refuserais pas un défi extrême. On fait le tour du stade et on revient par en dessous. T'es prêt ou pas? Un peu que je suis prêt. 3... 2... Oh! Liquido! Double ration d'algues, rien que pour toi. Quoi? Oh! Oh? Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur ces délicieuses céréales. Prenez garde à lui, dans l'obscurité des profondeurs. J'aime pas ça, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bien tenté, mec. Mais si tu penses à m'avoir, t'es vraiment à côté de la plaque. C'était trop facile. Ouais, c'est facile quand tu triches. Oh, Liquido. Hein? Oh oh. Tentacule Team n'existe pas en vrai. Tentacule Team n'existe pas. Hein? C'est Tentacule Team qui arrive! Liquido! J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! Votre attention! Tous les joueurs sont attendus sur le terrain immédiatement!
Oh, le coach va sûrement être furax quand il va apprendre que c'est toi le fautif. Ouvre les yeux, mec. On va tous les deux s'en prendre plein la tronche. Il y a peut-être intérêt à se la jouer discret sur ce coup-là. Ouais, on fait en sorte de bien la fermer l'un et l'autre, et je pense que tout ça passera crème. Est-ce que tout le monde va bien, personnel de ça ? Il y a un dysfonctionnement dans notre système central. Seulement, je m'explique pas pourquoi. Moi, oui. C'est incontestablement l'œuvre de... Tentacule Team! Oh. Non, sérieux, mon frère. Vas-y vraiment mollo sur le sucre. Ce qui signifie malheureusement que nous n'aurons pas assez d'électricité pour remonter à la surface. Quoi? Mais pas d'inquiétude. Le stade peut aisément faire face à la situation jusqu'à ce que le circuit soit réparé. Mais le match est dans quelques heures. Et alors? On n'a qu'à jouer quand même. Mais les supporters, on en fait quoi? Comment est-ce qu'ils vont faire pour m'admirer en train de marquer? Ça, c'est mon boulot. Dez, de l'équipe de football 360. Yes! Peu importe où on joue, je suis sûr que les supporters seront derrière nous. Tu dois vouloir dire au-dessus de nous. C'est jour de match en direct du Floating Stadium. Enfin, plus précisément, de plus au-dessus, pour tout dire. En effet, Brenda, le stade pourtant impressionnant des Hydra est piégé sous le niveau de la mer, mais il se déroulera bien conformément au calendrier. Et vous ne perdrez pas une seconde de ce match grâce à notre précieuse équipe de cadreurs qui se résume à une personne. Ouais, 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 ouais. Et c'est parti. Et Hydra impose immédiatement son rythme en contournant la ligne de milieu de terrain des Super Strikers. La défense! Maintenez vos positions! Est-ce que la défense s'en sortira mieux face aux Hydra que leurs coéquipiers? Oui! Oui! Et encore oui! North, Block et Eagle Eye possèdent parfaitement leur territoire! Ce, en dépit du fait qu'ils soient sous l'eau. Leur défense nous donne du fil à retordre, les gars! Y a pas une seule brèche où on peut s'engouffrer! Ah, pas de panique. Je sais ce qu'il faut faire pour que North Shore relâche son attention. Ben quoi, North? T'attends quoi au juste, mec? Garde ta position. Viens la chercher, cette balle. North! Qu'est-ce que t'as, blondinet? T'as peur de perdre contre moi? Exactement comme t'as perdu lors de cette course. Abruti. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de North? Il a abandonné ses équipiers, les laissant totalement exposés. But! Les Hydra prennent la tête de cette rencontre. Wouhou! On est les meilleurs! Ouais, bravo! Ouais! Non! Blablabla! Les Quido! Les gars! Si j'étais leur coach, j'envisagerais la suspension de North! Il semblerait même que ce soit l'équipe entière qu'ils suspendent. Et je crois savoir pourquoi. La verrière du Floating Stadium s'apprête à céder! Quoi? J'arrive pas à y croire! Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur... Ah! Mes céréales! Liquido! Tout ça est entièrement de ta faute! Il faut absolument qu'on fasse quelque chose! Y a rien qu'on puisse faire, mon frère. À d'autres! C'est ton terrain ici, bon sang! Moi, jamais j'abandonnerai Strike Island! D'autant que... Je croyais que t'étais du genre à jamais fuir devant les défis extrêmes. Oh non. L'un des maps a disparu. C'est encore Tentacule Team! Prends-les! Facile, prends-les toutes! Espèce de monstre cruel! Mais t'as mangé quelle quantité de ce truc? 10 ou bien 20? Boîte à lutte. Sérieux? Toi, mon pote, t'es très clairement un cas unique de folie sucrière. Bon, si Tentacule Team n'a rien à voir dans tout ça, alors c'est qui? C'est nous. Quoi?
On a fait une course avec les maps. Et on s'est écrasé sur le stade. Mais vous en faites pas. Vous allez pouvoir regagner la surface. On va remettre en ordre tout ce bazar. Et comment est-ce que vous comptez faire ça alors qu'il n'y a pas d'électricité? Oh oh, on a sous la main une des sources d'énergie les plus puissantes de tout l'univers. Notre rivalité. Plus on frappera ce ballon, et plus on générera d'énergie. Waouh, ça va nous obliger à faire des trucs de ouf, ça. Ouais, mais ça vaut largement le coup. Ouais, mais va en falloir des coups encore et encore. Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour remonter à la nage. Vous n'apprendrez jamais rien tous les deux. La vraie puissance repose sur le collectif. J'aurais pas dit mieux. Absolument, Norse. Nous venons à peine de recevoir une information extraordinaire. Les équipes de la Super League jouent en général pour finir en tête du classement. Mais aujourd'hui, ils vont jouer pour sauver un stade. Et il semblerait que même les fans aient eux aussi décidé de se serrer les coudes. Et on ne peut que saluer cette attitude, car aujourd'hui, les deux équipes sortiront gagnantes, ou alors les deux perdront. Powerball connecté. Et c'est parti! Les deux camps vont s'affronter l'un l'autre, mais dans un but qui leur sera commun. Oh! Oh. Et les Hydra marquent! Et cette fois, c'est un but des Super Strikers! Votre attention! Accumulateur énergie 50%! Gardez le rythme! Alors ce match ne rapportera aucun point au classement de la Ligue. Pour autant, il restera comme l'un des plus grands matchs disputés ici au Floating Stadium. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque c'est pour leur survie qu'ils se battent aujourd'hui. On est à 100%. Ça y est. C'est bon. Apportez le ballon jusqu'au terminal électrique. Ça, je m'en charge. Non, non. Moi, je m'en charge. Fais-toi plaisir, mon pote. Première fois de ma carrière. Là, je ne sais absolument pas quoi dire. Et que diriez-vous de... Regardez! Retour en surface du stade opéré avec succès. Perso, je dois le dire, j'en ai ras la froid, moi, de l'océan. Oh, ne m'en parle surtout pas. J'ai du mal à croire que j'ai pu être aussi obsédé par ce... Ah, tentacule team! T'avais raison, Klaus. Ces trucs sont largement meilleurs que le buffet de fruits de mer. J'adore le sucre. Hé, devine un peu quoi. Tentacule team se cache dans l'obscurité des profondeurs...
des boîtes de céréales. Non, chaud. Les Quizzo. Tous les deux, vous avez mis une sacrée pagaille. Et... vous avez fait un super boulot pour tout remettre en ordre. Boum! On a réussi, bro. Ouais! On forme une équipe exceptionnelle, on dirait. Et sinon, quelqu'un connaît le score final ou pas? On a très clairement gagné. Oh, pitié. Si une équipe a dominé le match, c'est nous. T'as joué comme un chamouillé. Ça faisait du bien quand ça s'était arrêté. Pas un peu raconter ça au beau trophée qu'on a pour le classement de la Super... Yaha! On est en finale de la Super League! Big Bo, ton triple arrêt va vraiment rester dans l'histoire. C'est clair, mon pote. Vache, t'es déchant. Kablam! Hé, les mecs, regardez un peu. Les Super Strikers viennent de valider leur billet pour aller en finale de la Super League. Wouhou! Et leurs le Cosmos FC, ont un petit message pour les hommes en rouge. Big Bo, on dit que tu es le meilleur, voire quasiment imbattable. Alors, je te mets au défi de le prouver. Dans un face-à-face à un tir, à midi tapante. En exclusivité au Buddy Watkins Wild West World, le parc le plus sauvage de l'Ouest. Il veut un duel de pénalty. Dans un parc d'attractions? Tu en penses quoi, Big Bo? On va chausser nos éperons, les amis. Big Bo, tu es sûr de vouloir affronter Ninja juste avant la finale? Complètement. Ed Cowboy s'est arrivé en troisième sur la liste de ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Juste après gardien de but. Et Vélociraptor! Regardez un peu qui est là! Ça alors, c'est Lady l'éclair de foudre. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Klaus, j'ai trouvé ses costumes dans la cave du Strakalan. C'est pour ça que ça pue comme un sandwich aux œufs périmés. Non. C'est parce que j'ai mangé dedans. C'est limite obscène, mon pote. On peut stocker toutes sortes de choses dans ce costume. De quoi se distraire? Le soda préféré des Brisloviens et... mon adorable compagne Chio-Chio. En tout cas, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire Lenny pendant la finale. Oh, allez, coach! Je suis sur le banc de toute façon. Ça ne signifie pas pour autant que tu ne dois pas être à 100% mobilisé pour le match. Oh, wow! Ça, c'est le genre de ville que j'aime, hein? Klaus! Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ce costume? Je sais. Mais y a-t-il vraiment meilleur endroit pour trouver quelqu'un pour faire Lenny l'éclair de foudre? Oh. À la minuit où ils m'auront vu en action, ils verront la queue pour être le nouveau Lenny. D'accord. Ça biche, les Super Strikers. Soyez le bienvenu de ma ville. C'est pour vous. C'est la maison qui regarde. Des Bud-Dollars? C'est la devise officielle qui a couru ici au Wild West World. Alors, en canaillez-vous? Laisse tomber, mon pote. Ces trucs de foire, c'est rien d'autre que des attrape-nigauds. Allez, à la voyure, monsieur le gros dur. Hmm.
Zalle de repos du personnel. Milkshake. Oui. Et je peux en avoir un? Sers-en deux. Je suis le shérif Chili Dog. Qu'est-ce qui t'amène en ville, l'étranger? Je cherche quelqu'un pour me remplacer en tant que Lenny l'éclair de foudre. Est-ce que l'un de vous veut mascotter pour ce boulot? Non! Allez, quoi? C'est un super job! Tout plein de fans, un costume stylé et de la place pour stocker tout ce qu'on veut! Tenez, prenez des flyers! Écoute, Lenny, être une mascotte pour la finale de la Super League, c'est un truc dont on rêve tous ici. Alors, où est le problème? Juste derrière! Coco! Coco! Faites de la place, bande de minables bons à rien! La mascotte officielle de la Super League est dans la place! Ce n'est pas très gentil! Et qui tais-toi d'abord? Lenny, l'éclair de foudre! Et moi, je suis la mascotte la plus rapide, la plus cool et la plus divertissante que cette ville ait jamais connue. L'étoile des cosmos. Pourquoi tu partirais pas illico d'ici, l'éclair, avant que ça devienne tendu pour toi? Peut-être que je vais le faire, à moins que je te montre deux ou trois choses tellement foudroyantes qu'elles t'enverront dans les étoiles. Lenny, ouais, c'est ça, montre faire. Que tout le personnel retourne à son poste. Le duel est sur le point de commencer. On n'en a pas terminé, tous les deux. C'était vraiment impressionnant. J'avais jamais vu personne lui tenir tête de cette façon. C'est toi qui vas faire Lenny pour la finale, n'est-ce pas? Yeah! Et mets un terme à sa tyrannie une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas... Tout va bien? Oh, j'étais tellement sûr de savoir dans quelle direction allait cette balle. Faut pas t'en faire pour ça, Bo. C'était un coup de chance, c'est tout. Ouais, je suppose. Le ballon choqué a fonctionné à merveille, messieurs. Quand je donnerai le signal, vous savez tout ce que vous avez à faire. Je pense que vous vous êtes un tout petit peu pris les pieds dans les pompons du tapis de votre métaphore, Mac. Voyons, Brenda. On est en finale de la Super League aujourd'hui. On doit donner le maximum et faire comme si demain ne devait plus être qu'un lointain souvenir. Mmh.
c'est parti. Et Ninja passe directement à l'attaque. Quel tir incroyable! Mais Big Bo est plus en forme que lors du duel. Hi-ha! Prenez garde, bande de minables. Je suis l'étoile des cosmos. Je suis la meilleure mascotte que cette ville ait jamais connue. Nous sommes au milieu de la seconde mi-temps et les cosmos semblent prendre le contrôle du match. Mais il y a un homme qui se dresse fièrement face à eux. Inamovible d'un incontestable talent inné. D'accord, ça suffit. Rien de ce que vous dites n'a aucun sens. Vous faites tout un foin d'une soupe au chou. J'essaie juste de mettre un peu de piment dans la salade. Arrêtez. Faites-moi un E. Faites-moi un T. Faites-moi un O. Et puis Oh, et puis épeler, c'est juste ridicule. Je suis l'étoile des cosmos. Capot. Coach, vous devez me laisser faire Lenny. Les supporters ont besoin de lui. Je croyais que tu devais trouver quelqu'un d'autre. J'ai essayé. Mais toutes les mascottes ont trop peur pour oser affronter l'étoile des Cosmos. D'accord. Mais je veux que tu sois de retour pour les prolongations. Allô? Si vous voulez connaître la vérité, rencontrez-moi dans le parking souterrain. La vérité, hein? Qui est à l'appareil? Les deux équipes n'ont pas su se départager durant ces 90 minutes. Nous aurons donc droit à des prolongations. Oui, tout à fait. Oh, vous allez vraiment bouder dans votre coin parce que j'ai critiqué vos commentaires? Non. Et voilà que soudain les Super Strikers connaissent un renouveau. Ça me semble riche de promesses. Joli tir de Tiger! Mais le gardien a bien fait son travail. À présent, une chance de contre-attaque s'offre au Cosmos. Mais Ninja joue la sécurité. Ce qui ne lui ressemble guère. En effet. Pourquoi diable joue-t-il ainsi la carte défensive d'un seul coup? Gougou, y'a quelqu'un? N'approchez pas davantage. Le match est truqué. Les Cosmos vont remporter la finale, quoi que vous fassiez. Comment? J'en ai déjà dit bien assez. Si l'étoile vient à savoir... Attendez, pourquoi est-ce que vous nous aidez? Parce que tu m'as aidé à me rappeler qui je suis réellement, Lenny. Je suis le shérif Chili Dog, au service de la loi. Nous arrivons à présent au terme de ces prolongations et rien n'a bougé du côté du score. Les Cosmos semblent ravis d'aller jusqu'au pénalty. Mais les Super Strikers, beaucoup moins. Les hommes en rouge lancent leur ultime offensive. Block n'aura pas le temps de relancer la touche. Parce que le vainqueur de cette finale de Super League sera désigné au tir au but. Mouais. Je ne comprends pas. Les Cosmos sont clairement tout faits pour aller au tir au but. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça avec le Big Bo au top, hein? Parce que les Cosmos ont prévu de triger. Klaus, où étais-tu passé? À la recherche de la vérité. Et puis j'en ai profité pour rapporter des quartiers d'orange. Écoutez-moi, le match est truqué. Explique. L'aigle bleu, gla bleu. Le mioche du test de force truqué est un ramasseur de balles.
Ça peut pas être une coïncidence, si? Et si c'était pas la seule chose qui était truquée au Wild West World? Le duel de pénalty, bien sûr. Je savais que le ballon s'était comporté bizarrement. Alors les Cosmos vont se servir d'un ballon truqué pour les tirs au but? Mais où est-ce qu'ils peuvent le gâcher? Personne ne m'arrive à la cheville, parce que je suis l'étoile des Cosmos. Je brille en plein jour et je brille dans la nuit. C'est enfin l'heure de vérité. Les vainqueurs seront ceux qui savent garder leur sang-froid malgré la pression. À toi de jouer, gamin. Ne fais plus un geste. Shaq, c'est le premier à tirer. Saura-t-il donner à son équipe l'impulsion dont elle a besoin? Ouais, bien joué! C'est à présent au tour des Cosmos. Big Bo a sauté du bon côté, mais pas assez loin pour stopper la balle. Bien, bien, bien. Tu t'es pas débilé, finalement. Je pensais que tu serais blanc comme un linge à l'idée de m'affronter. Ah, désolé de te décevoir. Je suis même rouge de colère. Et de toute façon, ce n'est pas ton apparence qui m'intéresse. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se cache sous ce costume. Oh, si c'est pas mignon. Tout le monde a un cœur qui bat. Bienvenue chez les bijounours. 999, tu as mal compris. Le ballon truqué. Je sais qu'il est caché sous ton costume. Et je compte bien te le prendre, crois-moi. Yeah. Oh, voilà qui est rapidement joué de la part d'El Matador. Big Bo parvient à effleurer la balle du bout des doigts cette fois. Il s'approche chaque fois davantage de la réussite d'un marais. Dégage de mon chemin! Non! J'en ai plus qu'assez de courber les chines devant vous. C'est terminé! Donne-moi ce ballon! Viens le chercher! Je suis l'étoile du Cosmos. Non! Oh, tout ne va plus dépendre que de mes coéquipiers à présent. Il y a deux buts partout dans cette séance de tir au but. Et c'est à présent au tour du capitaine des Strikers de tirer. Et voilà un capitaine qui s'est montré l'exemple. Les Cosmos parviendront-ils à rester dans la course? C'est Twisting Tiger qui va tirer le quatrième penalty pour les Super Strikers. Et l'avantage est clairement en faveur des Super Strikers pour cette finale. Ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Où est passé ce ballon truqué? Tout va dépendre de ce dernier tir. Si Big Bo stoppe cette balle, ça sera terminé. Oh! Il semblerait que Ninja ait un problème avec le ballon. Oh.
champion en titre de la Super League. Bien, j'imagine qu'il ne reste plus qu'une seule chose à dire, n'est-ce pas, Mac? Et qu'est-ce que c'est? Que les Super Strikers ont arraché le trône de leur victoire d'entre les mâchoires d'un requin qui digérera sa défaite comme un lion qui aura mangé une carotte. Alors ça, c'est du commentaire comme je les aime, Brenda. Alors je dois bien le reconnaître, Klaus. Tu as vraiment assuré en Lenny. À vrai dire, je suis là en fait. Mais alors, qui est dans le costume? La meilleure mascotte que j'ai jamais rencontrée. Personne ne mérite plus qu'elle d'être Lenny. Merci. Mais tu resteras toujours le shérif Chili Dog pour moi. Oh, il est tellement mignon. Mais en vrai, je m'appelle Rebecca. Super Striker.